Oh, qui ça peut être? Je suis sûre que c'est Lily. Moussi, que fais-tu ici? Bonjour, Tani. Je viens de recevoir ce courrier magique, mais on dirait que c'est pour Missifou. Mais j'ai demandé une aventure de pirate, pas un bout de papier! Merci beaucoup de l'avoir apporté jusqu'ici. De rien, Tani. À plus tard. Ok, bon, voyons ce que c'est. Ça ne va pas être intéressant, c'est juste un dessin! Allez, jetons un œil. C'est une île de pirates! Comment ça serait une aventure de pirate quand c'est juste un dessin? Missifu, c'est une carte magique! Regarde bien! Oh waouh! Ça bouge! Regarde, il y a une baleine! Waouh! La baleine m'a éclaboussé partout! Attends, regarde! Bonjour les amis! Bienvenue à tous les deux dans l'aventure des pirates! Dans cette aventure, vous voyagerez vers une île magique! Vous devrez chercher longtemps et durement pour trouver le trésor caché du pirate! Ouais! Une aventure pirate! Ouais! Mais comment se rend-on sur l'île? Vous deviendrez minuscule et à travers la carte, vous entrerez dans l'aventure des pirates! Nous sommes sur l'île! Youpi! Très bien, les amis! Maintenant, vous devez entrer par la grotte! Je vous souhaite bonne chance à partir de maintenant! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi! Il semble vraiment faire très sombre à l'intérieur de cette grotte! Allez, Missifu, je suis sûre qu'il ne fait pas si sombre! Je pense qu'on devrait retourner à la plage! Allez, Missifu, nous allons bientôt rencontrer des pirates, continuons! C'est juste que je suis coincée, Tani! Ne t'inquiète pas, Missifu, je vais t'aider! C'est juste que je commence un peu à avoir peur! Tani! Tani! Où es-tu? Je ne peux pas te voir! Calme-toi, Missifu, je suis ici! Quels sont ces yeux? Quels yeux, Missifu? Ceux-là! Phew, nous sommes en sécurité! Nous y sommes presque! Presque! Tani, j'ai l'impression qu'on nous regarde à nouveau! Où en sommes-nous, Tani? Je ne vois aucun pirate! Ne t'inquiète pas, Missifu, nous les trouverons bientôt. Regarde, c'est beau! Regarde, Tani, je suis sûre que c'est un indice de pirate. Il est écrit « ne pas toucher ». Tu vois, on a enfin trouvé le bateau pirate! Doit-on monter? Bien sûr! Ouah, c'est si beau! Regarde, Tani, il
C'est une page d'un livre. Je suppose que nous sommes censés le trouver. Eh bien, je ne vois aucun livre nulle part. Voyons, Tani, descendons par ici. Voyons, voyons. Regarde, Tani, c'est la cabine du capitaine. Regarde, Missy Fu, il y a un livre. Ouvrons-le. Regarde cette clé magique. Il nous montre sûrement la direction du trésor. Suivons-le. Oh, le voilà. Là. Waouh, on l'a trouvé. Nous avons le trésor. Ramenons-le au perroquet. Ça va peser lourd. Mais regarde ça, Jack. Quelqu'un est en train de prendre tout notre trésor. Youpi, youpi, regarde, Tani, il y a enfin des pirates. Mais qu'est-ce que vous faites avec notre trésor? Rendez-le-moi. Je suis désolée, tellement désolée. C'est juste qu'on a pensé que peut-être que... Tani, ces pirates commencent à me faire peur. Je dois dire qu'ils me font un peu peur aussi, Missy Fu. Nous allons vous faire marcher sur la planche au-dessus des requins. Avancez maintenant, allez. Je croyais vraiment que les pirates allaient devenir nos amis. Petit perroquet, aide-nous. Regarde, Missy Fu, notre ami le perroquet vient vers nous. Petit perroquet, tu viens ici pour les sauver? Alors toi aussi, marche sur la planche. Ah, oh, vraiment? Eh bien, alors je vous transforme en souris. Et je transforme le trésor en bonbon. Petit pirate, maintenant je me sens mal pour eux. Si vous promettez de bien vous comporter, je vous transformerai en pirate. Oui, oui, on promet, nous allons nous comporter super bien à partir de maintenant. Abracadabra, vous redeviendrez des pirates et vous vous comporterez très bien. Merci, Tani, merci. Est-ce que tu vas nous pardonner? Mais oui, bien sûr qu'on vous pardonne. Super. Félicitations à vous. Vous avez terminé l'aventure. Prenez ça avec vous. C'est une pièce d'or spéciale. Avec, vous pourrez sortir de l'île. Oh, merci beaucoup, monsieur le pirate. Bonjour, Missy Fu. Réveille-toi, nous allons arriver en retard à l'école sinon. Encore une fois, non, Tati. Bien sûr, Missy Fu, il faut aller à l'école tous les jours. On devrait plutôt faire la fête tous les jours. Lève-toi, Missy Fu, ou nous arriverons en retard. Missy Fu, allez! Boum! Tu nous as fait peur, Lily! Allez, à l'école! Mr. Morning! Coucou les amis! Missy Fu, accroche-toi bien! On est bientôt arrivés, Tati? Non, Missy Fu!
Dans combien de temps? Regarde, nous y sommes! Allons-y! Bonjour à tous! Bonjour! Aujourd'hui, nous allons apprendre un nouveau sort. Mais j'ai d'abord besoin de 2 volontaires pour venir m'aider. Moi! Très bien, les filles, vous serez mes assistantes. Waouh! Elle nous a choisies! Au travail! Très bien, cette tâche est très importante. J'ai besoin que vous m'apportiez 2 chaudrons. Vous pouvez faire cela, les filles? Oui, bien sûr! Allons-y! Allons chercher ces chaudrons magiques! Et si nous allions explorer un peu l'école ensemble? Très bonne idée! Où allez-vous, les amis? Cours! Il faut nous rattraper! Tati, il s'enfuit! Regarde! Cette porte a l'air intéressante! Allons-y! C'est la cantine! Il y a des escaliers secrets là-bas! Allons-y! Si! Descendons! Par quelle porte va-t-on maintenant? Je ne sais pas. Mais c'est fou, j'ai peur! Moi aussi! Il fait très sombre! Sortons vite! C'est très rigolo! Ils sont là, Tina! Oui, Tati! Regarde! Ici, c'est écrit « Ne pas entrer !» Allons-y, Missy Fou! Allons-y! Il y a sûrement des bonbons! D'accord! Waouh! Regarde tous ces ballons! Qu'est-ce que vous faites ici? C'est interdit! Tati, mais ils sont si jolis! Aïe! Que s'est-il passé? Je me sens toute petite! Intéressant! Essayons un autre ballon! D'accord! Waouh, quel beau dragon! Un dragon? Où ça? Missy Fou, attrape la balle! Non! Oh non! Tati, tu es un aigle! Ah oui? Voyons voir en quoi tu vas te transformer! Oh oh! Oh waouh! Mais quel désastre! Et maintenant, comment allons-nous faire pour redevenir normal? J'ai lu que certains sorts prennent parfois du temps à s'estomper. Bon, mais ça fait déjà longtemps et nous sommes toujours pareils. Regardez là-bas le grimoire. Voyons voir ce qu'il dit. Oh non! Il est écrit qu'il ne faut pas utiliser plus d'une balle à la fois, sinon tu ne pourras plus revenir à ton état normal. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir ce qu'ils font, car ils prennent beaucoup de temps. On dirait des pleurs. Qu'avez-vous fait? Oh, bracadabra! Votre état normal reviendra! Youpi! Nous sommes de nouveau nous-mêmes! Comme punition, et pour que vous appreniez la leçon, vous allez ranger tout ce désordre. Hé, Tati! Sors ta baguette magique, comme ça nous finirons plus vite! Non! Vous allez nettoyer vous-même! Nous n'allons jamais en finir!
maintenant, vous respecterez le règlement de l'école. Waouh ! Vous êtes prêts pour le décollage ? Youpi ! Youpi ! Youpi ! 9, 8, 7, 6, 2 ! Oh, waouh ! Regardez ! Un lapin de l'espace ! Waouh ! Cette fusée est trop cool ! Si vous voulez, je peux vous prêter mes combinaisons d'astronautes ! Génial ! Et voilà! Waouh! Et si nous allions les essayer? Elles sont super! Waouh! Dommage que je ne puisse pas rester jouer avec vous. Mais je dois finir ma nouvelle invention. Au revoir, Mr. Morning. Et merci beaucoup. À bientôt, les amis. Amusez-vous bien. Hé, hey, Tati! J'ai une super idée! Et si nous transformions la fusée en carton en vraie fusée? C'est une idée géniale, Missy Fou! Youpi! Abracadabra! Ce carton en fusée se transformera et vers l'espace nous amènera! Waouh! Elle est énorme! J'ai une autre idée! Et si nous allions sur la Lune? Ce serait génial! J'aimerais beaucoup, mais où se trouve-t-elle? Regarde, Lily, elle est là-haut. Viens, nous allons te montrer. La fusée est vraiment incroyable. Oui, elle est jolie. Vraiment super jolie. Allez, direction l'espace. Jusqu'à la Lune. Allons sur la Lune, les amis. Vous êtes prêts? Oui. Waouh, nous sommes dans les airs. Regardez les amis, c'est la Terre. Personne n'y vit, mais c'est fou. Préparez-vous, les amis. Nous allons atterrir. Trop cool. On est déjà arrivés sur la Lune. Nous venons d'atterrir. Super. Allons découvrir la Lune. Oh, le joli bouton! Quel joli bouton rouge! Waouh! La Lune est très jolie! Et très étrange! Allons voir par là-bas! Qu'est-ce que c'est rigolo de sauter sur la Lune! J'adore ça! Au revoir! Lily? À qui dis-tu au revoir? À notre très jolie fusée? Non! Ne t'en vas pas, s'il te plaît! Oh non! Lily, as-tu touché un bouton? Oui. Le rouge, il était très mignon. Non! Lily, qu'as-tu fait? Appuyer sur le bouton? Bon, Tati, ce n'est pas grave. J'ai une idée, utilise ta magie. Ma magie ne marche pas sur la Lune. Comment vais-je rentrer à la maison maintenant? Réfléchissons. Tu as trouvé une solution, Tati? Non. La 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 la. Bonjour. Bonjour. Tu vis ici? Oui. Tati,
Tati nous avait dit que personne ne vivait ici. Eh bien, moi, je vis ici. Ah, c'est trop cool. Et comment t'appelles-tu? Je suis Goulou Goulou. Je m'appelle Lily. Tu aimerais rencontrer mes amis? J'adorerais. Mais c'est fou, je ne trouve aucune solution. Et toi? Moi non plus. Les amis, regardez qui je viens de rencontrer. Qu'est-ce qui vous arrive? Je crois qu'ils ont eu peur. Désolé, Gourou Gourou, mais nous avons eu un peu peur. C'est pas grave, Tati. Vous courez très vite. Gourou Gourou, pourrais-tu nous aider à rentrer sur notre planète? Oui, oui, allons chercher ma navette spatiale. Youpi, nous sommes enfin sauvés. Ah, enfin à la maison! Merci beaucoup, Gourou Gourou. Au revoir.